Bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, vers documents, on va faire l'activité 1 de la page 85. Et donc, l'univers documents, l'activité 1, et l'activité 1, le document ci-dessous présente schématiquement une partie d'une carte topographique. Et dans le loisir, c'est la carte de topographie. L'échelle, elle est de 1 sur 20 000. Et donc, il y a un sulem, la première question, déterminer les altitudes des points A, B, C et E. Et donc, il y a un sulem, il y a un A, B, C, et D et E. Ok, il y a un ارتفاع كل هاد النقاط. اول حاجة خصنا نديرو اولا خصنا نعرفو اولا بالنسبة لهاد الخريطة شنو هو فارق الارتفاع باش نقدرو نحددو لكل منحنى بوشاك دو نيفو نلقاو لالتيتود. لاحظوا معايا هنايا عندي 100 و عندي 148. الوغ 148 سي ان بوان كوتي سا فو دير من هنا رحنا كنطلعو. إذا عندي هنايا مرتفع. إذا كانت عندي هنا 100 وهنا 148، ديجا جو بو ديدوير كو هاد لا كورب دو نيفو راه تقدر تكون عندها 140. دونك إلا حطيت هنا 140 بالنسبة لهاد لا كورب دو نيفو، غادي نشوف دابا من 100 140 غادي ندير لا ديفيرونس، 140 موان 100 غادي تعطيني 40. Et je divise par 1, 2, 3, 4. Ratsatani, 10. À l'âge 4, l'arca je divise, fa'adat n'sa l'farek, li kayin mabin had l'munhanayat. Il a dit l'farek l'awel, tani, donc l'espace, il sépare deux courbes de niveau. On dit 1, 2, 3, 4. Donc, qu'en dire 140 moins 100 divisé par 4. Aura des centaines 10 mètres. Donc, l'équidistance pour cette carte, l'équidistance est égale 10 mètres. Alors, il suffit d'avoir l'équidistance, je peux écrire l'altitude, ou bien je peux déduire l'altitude de chaque courbe de niveau. Alors, ici j'ai 100, donc, je vais mettre 110, 120, 130, 140. Très bien. Alors, هنا عندي 100 وهنا عندي un fleuve. Ça veut dire راني من هنايا من 100 غادي نهبط. La même chose من هنا غادي نلاحظ على ان منحنيات المستوى كنبدا 140 130 120 110 100 دونك مازال كنهبط. دونك الا كانت عندي هنا 100 هنا غادي تكون عندي 90 ici c'est 80. C'est 70, tout simplement parce que l'équidistance, c'est 10 mètres. Alors, la même chose ici. Donc, on a dit 70. Ici, c'est 80. 90. On a 100. Donc, chaque courbe de niveau, j'ai l'altitude d'Yala. D'abord, je passe pour déterminer les altitudes des points. Alors, tout d'abord, le point A. Alors, le point A, c'est déjà 148. Bon, je vais écrire l'altitude du point A. C'est 148. Déjà, A, c'est un point côté. Il représente son altitude. Donc, 148, c'est l'altitude du point A. Après, je passe au point B. Alors, le point B, l'altitude qui est l'eau, donc ici, le point B appartient à une courbe de niveau, l'altitude est à 70. Donc, B, l'altitude, elle est de 70. Et toujours mètre. Après, je passe à C. C, c'est un point qui appartient à une courbe de niveau, l'altitude est à 100. Donc, je vais mettre 100, C, c'est 100, 100 mètres. Alors, il me reste le point E. Alors, l'altitude du point E, c'est
Donc, E appartient à une courbe de niveau qui fait à l'altitude 80. Donc, c'est 80 mètres. Après, il nous demande quelle est l'équidistance. Alors, l'équidistance, Huma ksbuha bhad tariqa E, ana kanksbuha grand E, est égal 10 mètres. Après, donner les coordonnées des points C et F. Les coordonnées du point C et du point F. Alors, il va falloir pour chaque point, un de deux coordonnées, oui, un do, une projection sur l'axe des X, et une projection sur l'axe des Y. Alors, pour le Kansas C, C, on a dit qu'on a un do, 320 km, 210 km. Et pour le point F, la même chose, la première projection, on a dit qu'on a un do, 321 sur l'axe des abscisses et 211 sur l'axe des coordonnées. Donc, C, c'est 320-210, et bien sûr 320 km, 210 km, et L, c'est 321 km, 211 km. La question suivante, calculer la distance horizontale réelle entre les points A et B. On a quitté le bon moment, on a fait le mesafa, le haqiqia, بين النقطتين A و B. Alors, باش نلقاو هاد لا ديستانس ريال entre les points A et B, tout d'abord, نعبرو بلا règle ديالنا la distance qui sépare A et B sur la carte. و عبرناها غادي نلقاو 4,5 cm. Donc, AB sur la carte est égal à 4,5 cm. Alors, en utilisant l'échelle, 1 cm sur la carte représente 20 000 cm sur le terrain. Donc, 4,5 cm représente X. Au X, il y a la valeur réelle, c'est la distance qui sépare A et B. Donc, l'application numérique, 4,5 fois 20 000, radil qawha, 90 000 cm. Ou la houlna hal mètre, 900 mètres. Donc, la distance réelle entre A et B est 900 mètres. La question suivante, préciser l'orientation du fleuve. Et donc, il y a un titre pour nous, on a un arfo, le tijer, le wadi. Donc, il y a un arfo, le wadi. Donc, on a le fleuve, tijina, mais le côté est vers le côté ouest. Alors, on a l'orientation, alors, on a de l'est. Ouest. Après, mentionnez à l'aide d'une flèche sur le document le sens d'écoulement de l'eau du fleuve. Justifiez la réponse. Alors, qu'est-ce que vous maintenant? Tija majora had l'ouadi. Obtabet l'had kim makan arfo daim l'ouad. Kijina min l'makan li huwa mortafe. Lin l'makan li huwa munkhafet. Ou munbaset. Idan btsali. Fa le sens radikoun had tija. Après, qu'est-ce que maintenant de justifier la réponse. Alors, la justification, je peux écrire. Alors, comme réponse, je peux dire que l'eau s'écoule de l'amont vers l'aval, le point le plus haut est de 70 mètres, et d'un l'ahdo, بطبيعة الحال أقل من 70 متر بمعنى أنه غادي يجري من الليست لويست. Après, réaliser sur du papier millimétré le profil topographique correspondant à la coupe AB. بعد ذلك كيطلبوا منا أننا نرسموا الجانبية الطوبوغرافية لهاد الخريطة. إذن قبل ما غادي نرسموا لو بروفيل توبوغرافيك قلت أولا خصنا نشوفوا نقاط التقاطع مع AB. نحددوا لكل منحنى l'altitude dialo, donc ça, chaque coupe de niveau a dit son altitude, ou qu'elle a voulu m'amener de suivre cette route. Alors, le premier point, on a 140, après 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70,
70, donc il y a le dernier point d'intersection avec le dernier point, c'est 70. Et par la suite, quand on a le papier millimétré, quand on a fixé un bout de scotch, après, quand on a l'échelle, alors l'altitude, quand on a 70 pour un demi-carreau, donc quand on a 10, c'est là qu'on a 10, donc un demi-carreau, un demi-centimètre, 10, donc un demi-centimètre, 80. 90, 100, 110, 120, 130, 140. Après, quand on va dire la projection des points, bien sûr, on va faire la règle. Quand on va dire les projections, on va faire les points d'Yali, Kamlin. Après, à l'aide du crayon, on va faire la projection. Alors, le résultat, alors comme vous voyez, ici, j'ai tracé le profil topographique selon la coupe AB ou bien selon le segment AB. Après, on a l'altitude en mètres, on a l'échelle. Et, d'ailleurs, on a l'échelle d'Yali, qui est dans la carte, c'est 1 sur 20 000. Et l'équidistance est égale 10 mètres. Je vais vous conseiller la correction de l'exercice page 85. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.